C'était en 1995, puis par la suite, j'ai fait, je crois que c'est le dixième ouvrage que j'ai fait chez, j'ai fait maintenant chez Gallimard, et j'en fais un là maintenant, qui va être le dixième justement, qui va sortir en mai, et que j'ai intitulé « Ma petite poésie ne connaît pas la crise ». Voilà. Et le précédent, c'était, j'avais donné « En attendant le crevat », personne n'a compris, évidemment, puisque quand on donne un titre pareil, c'est un titre, un thème un peu régionaliste. Alors j'en ai discuté avec mon éditeur, André Velter, le poète, et on a convenu que je dis, mais ce terme-là ne m'engage que moi, ça ne m'engage que moi. Et puis finalement, j'ai écrit langage comme langage. Si bien que lorsqu'on tape sur le web pour savoir de quoi il s'agit, on dit, il y a toujours une faute, on revient à un langage et l'apostrophe. Quoi. Et, bon, c'est comme ça. Et comment ? Il y a eu aussi le « Un jour, je serai prix Nobel ». Oui, oui, je serai un jour prix Nobel. Faut rigoler, non ? Donc voilà. Voilà, il y a Sodome et Grammaire, donc je parle déjà. Ce sont quand même des textes très corporels, dans lesquels... Oui. Le corps, les parties du corps reviennent presque tout le temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Ben, on est embarrassé par ce corps parfois. Hein. C'est pas très courant. Non, mais c'est pas très courant. Quand on regarde même la poésie contemporaine. Oui, c'est vrai.